Humus for the Hostess, c'est une association australienne qui existe depuis un tout petit peu moins d'un an. Ouais. Et voilà, du coup, j'ai vu passer leurs actions à travers des vidéos sur Facebook. Et j'ai contacté Paul Bachir, le fondateur. Et je lui ai demandé s'il y avait une antenne en France. Il m'a dit que non, donc je me suis proposé. Et voilà, quelques mois plus tard, on a fait le premier Cube de la Vérité à Paris. Alors, le Cube de la Vérité, bah, c'est ça. C'est des personnes disposées en forme de carré avec des écrans. On expose la vérité à travers les vidéos qui représentent tout ce qui se passe dans l'élevage, que ce soit pour la viande, le lait, les œufs, la fourrure. Donc, le message c'est ça, c'est juste, bah voilà, on apporte la vérité aux gens, on leur montre ce qui se passe. On leur explique aussi à travers de la pédagogie. Et après, bah, ils font leur choix de consommation en leur âme et conscience. Donc là en fait on montre aux gens sur un casque de réalité virtuelle la vie d'un porc de la naissance jusqu'à l'abattage. Donc c'est une vidéo à 360 avec une immersion avec le casque. Donc on peut vraiment se rendre compte de la réalité de la vie d'un cochon de sa naissance, donc de la castration jusqu'à malheureusement son abattage, son vidage, enfin toutes les belles choses quoi. Bah, c'est horrible clairement. Vas-y, vas-y. Non mais toi moi j'ai pas été jusqu'à la fin. Toi t'as tout vu. Ouais j'ai tout vu, bon bah c'est une vraie boucherie, hein. c'est horrible. Bah en fait ouais ça fait réfléchir, hein. Ce soir. Bah je pense que ce genre d'action est nécessaire parce que le discours végétalien on le voit pas forcément à la une des médias, on ne nous montre pas ça parce que c'est trop horrible. Mais quand j'ai vu ces images et quand je me suis rendu compte que ce que ça impliquait en termes de souffrance et d'inégalité et d'injustice, je me suis dit mais je ne peux pas cautionner ça. Moi c'est la première fois que j'entends parler du projet Priceless. C'est très important de se battre pour les droits des animaux. Il faut continuer parce qu'il y a beaucoup de massacres, que ce soit en France, à l'étranger, dans les océans, sur la terre. Il y en a tellement plein, donc du coup, il faut se battre. Ouais. On s'arrête quelques instants pour échanger et voir comment on peut avancer ensemble. Voilà. Bah, franchement, ça me fait rien. Parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois des animaux, ça me fait rien. Ça sert de rappel de temps à autre. C'est quand même bien pour éveiller les consciences. Tu peux changer ton mode de vie, tu peux changer ton alimentation et faire des trucs de ouf, quoi. Pour ma part, je trouve ça très intéressant d'informer le public de ce qui se passe et de choses qu'on ne sait pas forcément, notamment sur l'abattoir des animaux. C'est une manière pour moi d'essayer de faire changer les comportements et c'est très intéressant d'avoir ce genre d'action. Ce qui est le combat de la souffrance animale, ça je pense que c'est important et voilà. Donc après je pense que c'est un sujet complexe qu'il faut regarder dans sa profondeur. Les images comme ça, il faut débattre et réfléchir. Il y a des gens qui ont besoin d'images choc pour être réveillés. Moi personnellement c'est pas mon cas, mais à partir du moment où il y a des gens avec qui tu peux engager une discussion, je trouve que c'est pertinent parce que c'est dans la discussion que tu vas trouver avec des gens qui s'y connaissent. Parce que comme vous voyez autour de nous, il y a plein de gens qui sont en train de discuter et en soi je trouve que ça fonctionne du coup. Moi personnellement, c'est que je viens de voir les vidéos, c'est très choquant. Je ne suis pas végétarien ni végétaliste et je consomme de la viande et là ça remet vraiment en question. Je trouve que ce que vous faites c'est très très bien. Ça nous montre à quel point la bêtise humaine peut y aller. D'accord. Et je vous encourage à continuer comme ça.